Ok yo les gars, nouvelle petite journée de vlog. On se trouve actuellement à Universal Studios. Et ce soir on va aller au Halloween Horror Nights. Ok, on vient de rentrer dans le parc. Là on a vu qu'il y avait pas beaucoup d'attente pour l'attraction Jurassic World. Et je vais essayer de vous filmer tout ça. En fait le parc il est sur plusieurs étages. Donc on doit descendre avec des escalators et tout pour se rendre sur le plateau bas du parc. Donc belle vue quoi. Ok, du coup on va embarquer, il y a Anto qui est derrière moi là. On n'a pas fait la queue du tout. Ça archi bien ce système et puis là je suis tout devant du bateau là. Un petit peu constaté. Hogwarts. Bon, on est ressorti du bail là, c'était sympa. J'ai pas pu vous filmer beaucoup de choses parce qu'il y avait pas mal de bails en 3D et tout que je pouvais pas montrer, donc vous auriez pas pu voir. Fast and Furious c'était énervé. Genre t'avais une partie en 3D Fast and Furious incroyable. Genre en fait le train dans lequel on était, il était rattaché à des sortes de rails pour te faire vivre l'action en 3D et tout, donc c'était assez sympa. On va faire ça là. Hippogriffe, je sais pas quoi. Hagrid, sors de broche. Ça j'étais pas content. Bon, j'ai dû arrêter de filmer parce que ils ont bloqué le train. On va essayer d'aller à l'attraction d'Harry Potter là. Portrait là, portrait ici. Bon les gars, je vous annonce tout de suite la couleur, on va en prendre un. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. On va tout manger. Ça fait la taille de mon chiffre et plus si affinité. Dinguerie. Franchement. 9 sur 20. On est à 20 sur 20. 20 sur 20. On est en train de galérer à le manger si vous saviez. Ok, on a voulu aller voir un petit spectacle d'effets studio, mais il s'est avéré que c'était de la grosse merde parce qu'il y avait un putain de bébé qui faisait que chialer tout le long. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se balader un petit peu. Ouais, et du coup on va aller après voir le spectacle Waterworld je crois. On vous tient au courant pour nos futures aventures. Il fait un fuck lui. Il est fou lui. Calme-toi tonton Guide. Ok les gars, on ressort de l'attraction Waterworld, là on va se faire Harry Potter 4D. Il nous reste quoi, 2-3 attractions à faire encore dans le parc. C'est mal au babe. On va faire ça là. Ce bail là, là. T'es attaché, tu fais des loopings. Ok les gars, on a fini la journée là. On va attaquer sur la soirée de type Halloweenesque. C'est une soirée spéciale qui est réservée à ceux qui ont leur place tout simplement. Donc là tu vois on a des tickets pour avoir accès au parc. Du coup là ce qui se passe c'est qu'on est déjà dans la file d'attente une heure en avance pour en fait ça va être 10 labyrinthes. Donc là on fait le labyrinthe Stranger Things. Ouais, je vais essayer de vous faire une petite vidéo des 10 labyrinthes, vous montrer un petit peu l'ambiance. Je pense que ça va être des bails avec des comédiens, etc. Il y aura une ambiance assez sympa et tout. Ok les gars, du coup premier labyrinthe, Stranger Things. Alors gamin. Bye. Will. Sors de ta cachette. Ah.
va éjaculer dans l'eau. Bon, on ressort du premier labyrinthe Stranger Things, c'était énervé. Alors je sais pas si vous verrez grand chose, car il fait sombre. C'était vraiment lourd. Mais ouais, c'était ouais, je m'attendais à moins bien, clairement. Là, si je devais donner une note au labyrinthe, je mettrais 16 parce qu'il y a eu pas mal d'effets. Tu te prends de l'eau dans la gueule, t'as des comédiens et tout. Bon. Donc là, on se dirige vers le deuxième labyrinthe, je sais pas c'est quoi. Ouais, apparemment, il y a un clown. Elle était bien celle-là. Ok les gars, troisième labyrinthe, cette fois-ci sur le thème de Frankenstein. Mais celui qu'on vient de faire juste avant là, il était il était chargé hein. La queue est fat sur celui-là et on a vu des gens qui le refaisaient une deuxième fois. Donc il y a moyen qu'ils soient très très énervés. C'est mordu, c'est mordu, c'est mordu. J'ai senti sa tête le toucher. C'est parti. Ok les gars, apparemment là on va faire le plus terrifiant frère. Il y a des gens qui partent et tout depuis tout à l'heure, ça crie en balle. Quoi? Ah, lui il a fait un truc chelou, il a fait... Satan. Oui, oui. Oh, what the hell? Aussi grand que ma bite. Aussi grand que nos queues. Nos deux queues réunies. Énervé, énervé. J'arrive fort. Ouais les gars, cinquième labyrinthe terminé. Mission accomplie. Et je pense qu'on va faire en tout dernier le The Walking Dead. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous balancer le The Walking Dead en dernier. Et je peux vous dire qu'il est énervé. Ah ouais, il y a un petit zombie pour nous accueillir. Il met des petits coups de couteau au calme là. Il va se prendre un coup de tête balayette. Il y a des gens possédés devant nous. Il s'en est battu les couilles. Joli t-shirt. Joli t-shirt. On est dans la sixième file d'attente du sixième labyrinthe. Qui est les clowns. Ouais, en rapport avec les clowns. Il y a 70 minutes d'attente. C'est, ouais, c'est le truc le plus hype du parc. Où c'est le truc où il y a le plus de monde et on est tous cons. Et on est tous venus au même moment au même truc. Hey. Ça y est, enfin, après 70 minutes d'attente. Ouah, c'est bon. Ça va nous monter. Ouah. Il est pile. Ouah, la boule. La cerise sur le gâteau. Mais après en vrai c'était archi bien fait niveau clown de ouf. Mais ouais, la déco était lourde en vrai. Ok, t'es mal bail. Toutes les attractions t'as au moins 40 minutes d'attente. Et celle qu'on est en train de faire t'as 85 minutes. Ça y est, on arrive enfin dans la boîte de Pandore. Ou devrais-je dire la boîte de t'es mort avant que t'as fini la queue, putain de sa mère. On a attendu 2h45 sur une merde pareille. Moi je suis là, j'ai même pas peur, les trucs sont fluorescents là. C'est quoi ça?
Allez les gars, j'espère que le petit spectacle des Djabba vous aura plu. Là on se dirige vers la dernière attraction, donc le dernier labyrinthe, donc The Walking Dead comme promis. Et après on va se quitter là-dessus parce que là on commence à être mort. Du coup on va se finir la soirée là-dessus en espérant que tout vous plaît jusqu'à présent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je vous ferai d'autres vidéos. Bien évidemment dans le même style, on continuera les vlogs avec une meilleure coupe de cheveux. Ok les gars, fin de la journée, on est séché sa mère, séché comme jamais. Pour The Walking Dead, malheureusement, on pouvait pas filmer à l'intérieur, ils voulaient pas trop blesser. Donc c'était grand relou. Les mecs, ils faisaient même les acteurs aussi. Genre, j'ai voulu gruger 2-3 images et tout, mais c'était très compliqué. Non, franchement, c'est une bonne attraction et tout. Ouais, enfin, c'est un bon labyrinthe, mais c'est pas le meilleur. C'est court, mais intense. Lui, il a sursauté, lui. Non, à un moment, je tourne la tête, je regarde un peu. Et là je me tourne et là je vois. Il y a un gros Scarface. En tout cas j'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu. Et yo tout le monde, comme promis je vous fais la petite vidéo finale. Un point final à tout ça justement, à tout le voyage. Donc là je vous fais un petit tour rapide de l'hôtel dans lequel on a séjourné pendant 4-5 nuits à Long Beach. Donc je vais vous faire un petit peu un tour de tout ça. Et puis vous laisser un petit peu mon ressenti à la fin du voyage, là comment je me sens et tout. Ça me fait bizarre de tourner la vidéo là parce que vraiment putain on a kiffé pendant 2 semaines, c'était énervé. Je vais plutôt vous parler un petit peu de mon ressenti. Donc là je me suis posé à côté du feu là. Voilà, on est bien. Gros souci par rapport à l'hôtel. Donc par rapport au voyage, bah là du coup on va se taper 11 heures de vol demain. On a passé un bon voyage et moi je reviens là plein de souvenirs dans la tête, ça a fait beaucoup de bien. Sachant que dans ma vie, pour ceux qui me connaissent, ça allait pas très fort avant que je parte. Malgré tout, je sais que là je vais retourner dans mon océan de solitude et ça va me faire chier de me retrouver encore seul à Angers. J'ai pas mal de mal à me faire des potes à Angers, à aller vers les gens, etc. Les 3 jours à New York sont passés à une vitesse folle. Clairement New York c'est inoubliable, hein. Ça faut le faire une fois dans sa vie, c'est chargé de partout, chaque recoin de ville est blindé ou rempli de quelque chose et j'ai vachement kiffé New York. Je pensais à être vachement stressé et tout parce que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les villes, par contre je m'y verrais pas vivre du tout. On a fait Times Square, ça c'était vraiment une des meilleures soirées de ma vie, genre j'ai vraiment adoré Times Square. Yosemite c'était fantastique, on a surkiffé, c'était vraiment magnifique, même si on en a chié pour arriver en haut de la cascade là que j'aurais pris en vlog. C'était vraiment incroyable. Ensuite, direction Los Angeles. On est resté en centre de Los Angeles 3 nuits dans un hôtel vraiment très sympa. En tout cas, moi les gars, je pense que vous allez pouvoir vous avoir donné mon ressenti sur tout mon voyage. Voilà, bon, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je suis assez triste de quitter le délire. J'espère que les photos aussi que j'aurais postées sur Instagram vous auront plu parce qu'on s'est donné du mal quand même. Voilà, j'ai pris les moments qui me semblaient être importants à partager et puis les autres, je les ai gardés pour moi. Parce que bon, c'est important aussi de penser un peu à soi et de profiter de l'instant présent. Quoi qu'il en soit, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, à vous abonner à la chaîne, à lâcher des petits pouces bleus, c'est important. Et puis on se retrouvera pour une prochaine aventure, si tant est qu'il y en ait, j'espère. Et si tant est que ça vous a plu. Donc je vous dis bye bye et à très vite, de retour en stream. Bye.